Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière à l'Olympique de Marseille les gars. Dernier épisode les gars, on avait perdu contre le Stade de Reims à domicile. On avait vu que la défense c'était pas trop ça. Je pense avoir compris le problème. Je pense que je défendais un peu trop bas. Donc on va laisser ça. Je défendais un peu trop bas les gars, je crois bien. Et ça nous a coûté cher. On va voir si ça va payer contre le FC Nantes. On joue à la Beaujoire. C'est compliqué. Parce que l'FC Nantes, on sait que c'est une belle équipe. Il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner. Du coup, on va jouer avec le maillot bleu, je pense, pas noir. Voilà, bleu. Le coup d'envoi, les gens, tout ça, naninana. Boetius, c'est bon, on va jouer comme ça. J'ai un peu remonté la défense. Ça va la cinématique, les gars. Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. Je suis au micro en compagnie de Pierre Ménès, évidemment. On va s'intéresser aujourd'hui à la Ligue 1 Conforama avec cette rencontre, le FC Nantes contre l'Olympique de Marseille. Alors mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Dimitri Payet, qui devrait avoir un rôle important à jouer dans cette équipe aujourd'hui. C'est pas le joueur le plus régulier du monde, mais il reste capable de faire basculer un match sur une action, un coup de pied arrêté. Moi, je l'adore et puis je ne le cache pas. Pas se mentir, Pierre, le style de jeu de cette équipe, c'est quand même relativement peu apprécié. Ça manque d'ambition, ça manque de technique. C'est pas terrible, quoi. Ouais, si t'aimes pas les équipes qui jouent chez l'adversaire, qui pressent haut, qui tentent des trucs en attaque, au risque de se découvrir parfois, alors cette équipe a des chances de te plaire. Ouais, moi je suis pas très client. Les 11 titulaires de l'Olympique de Marseille, les voici. Dans les buts, Steve Mandanda. Alvaro González Soberón sera bien présent en défense, avec à ses côtés Boubacar Camara. Valentin Rongier lui sera dans l'entrejeu avec Morgan Sanson. Et pour finir, il n'y aura qu'un seul attaquant devant. Allez les gars, c'est parti. Magnifique Pierre, hein, avec des architectes qui ont été particulièrement imaginatifs. Hein. Oh, j'aime bien ces tribunes latérales. Hein. Morgan Sanson. Oh dommage. Oh, à côté. Oh il l'a mis à côté. Oh non, c'est pas possible. Voilà, bien campé sur ses jambes. Ouais, lumineux cette passe. Ah ouais, le ballon qui s'accueille bien. Le tir. Oh, le joli plongeon. Première frappe dangereuse du côté du FC Nantes. Ouais, c'est pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, y aller quand même. Ouais, bien tiré, c'est ça. Le gardien qui là, c'est chaud. Et Yandy, il peut pas. Putain, mais Mandanda, il peut pas attraper le ballon. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais parfois, il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Reste sur une défaite à domicile face à Reims. Ah, la passe en profondeur, attention. Centre long au second poteau. Mandanda jamais il captera le ballon. Tout le temps il la relâche. C'est incroyable. C'était un petit peu dangereux. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Essaye de trouver la faille. Mandanda qui ne capte pas. Très belle parade. Très très belle parade. Bravo. Boetius. Dario Benedetto. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu. L'OM obtient tout franc. Florian Thauvin. Je savais pas qu'il allait passer, j'ai fait un geste technique, je savais pas qu'il allait passer comme ça, c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai fait ça, oui. Putain. Florian Thauvin. Dario Benedetto. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Dimitri Payet. De prendre l'avantage. Allez, rate, hein, dommage. Sur ce coup-ci. Mi-temps. Ça y est, les gars, franchement, c'est très compliqué avec l'OM. C'est très compliqué. Les passes, ils sont pas ajustés. Mauvais contrôle, c'est très compliqué. En plus, je vais pas vous le cacher, ma manette a le bug un peu. Je sais pas quoi faire.
Franchement, je sais pas. Hein. Tout est bien. On est en défense pour Payet. Tactique, c'est bien. Style offensif. Plus, voilà, un peu plus comme ça. Dans la surface. Hop. C'est parti, les gars, on est parti. Allez, c'est parti pour la seconde période. L'Olympique de Marseille. Sanson. Dario Benedetto. Ah oui, la bonne passe. Le gardien qui éloigne. Bien joué, les gars. Boetius, premier but avec nous. Fallait tenter cette frappe. Le gardien qui l'a relâché très très mal dégagé. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. Ce qui nous permet à Boetius de marquer cash en début de deuxième mi-temps. Premier but avec lui. Premier but avec les couleurs de l'Olympique de Marseille, c'est magnifique. Le buteur, il s'est pas fait prier pour marquer. C'était pas facile en plus à prendre. Allez, maintenant faut pas se faire égaliser, faut continuer comme ça parce que là, on a des points à prendre. Ce sont les Marseillais qui mènent. Je vous ai dit les gars, Camara aussi, c'est pas ouf, franchement. Bien joué, faute intelligente. Ouais, il a fait faute, bien sûr, confront. Faire un remplacement. Quoique non, on va laisser comme ça, ils sont tous au vert. Il veut absolument voir son équipe égaliser, alors il fait ce qu'il faut pour. Allez, c'est parti, contre-attaque. Ludovic Blin. Moses Simon. Traoré. Faut trouver une option disponible. Bien joué, Camara. Allez, encore. Bien joué, Alvaro. Faut pas craquer là. Non, ma vie, pas ça. Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Il a mal pris, putain, je vais jouer. Alors, qui est fatigué, qui est pas fatigué, on va faire jouer de toute façon, on va faire sortir des gens. Benedetto va sortir. Hop. Et pour l'instant, défense, on est tous verts, on a tous la forme, j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un. Peut-être Strootman, mais il est pas très rapide. Pas rapide du tout, donc je sais pas, on va peut-être faire rentrer Saka à la place d'Amavi, parce qu'à ma vie, c'est pas trop ça du tout. Renvoi au 5m50. Fait un peu peur quoi. Allez, pour rebooster et tout cela, refuse de voir son équipe perdre, c'est bien normal. Dans les allez, tu lâches pas. Faut tout donner jusqu'au bout. Et on a dégagé. Pour écarter le danger. Tout, allez, c'est parti. On te met une bombe. C'est quelqu'un pour l'aider. Ils sont dans la surface. Ouais, non, c'est pour personne. Ah, ça passe. Bien joué, Tobin. Tobin fait un très bon match défensivement. Il fait rentrer du son neuf en attaque. Vu que son équipe revient au score. Allez. Il faut qu'il centre maintenant. C'est bon. Moi, je vais tranquille, les gars. Je vous mens pas. Pas le temps d'aller en attaque, de toute façon. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Hiroki Sakai. Allez, on a gagné les gars. Deuxième journée, on a gagné une victoire. On a gagné un match. Et à l'extérieur en plus contre le FC Nantes, donc c'est pas mal. C'est un adversaire en plus qui était vraiment pas mal aussi. Ils ont les moyens de jouer au tableau en plus. Donc bon, c'est pas mal. À l'extérieur, on gagne 1-0 grâce à Boetius sur une frappe de Payet. Frappe de Payet, arrêt de Lafond. Et Boetius qui reprend. Magnifique. L'ouverture du score dans cette rencontre. On revoit le ralenti. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite. Très beau but. Continuez. Donc je suis content, les gars, je suis content. On va aller en conférence de presse. C'était chaud, c'est très chaud. Les passes sont pas du tout précises. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Votre équipe. Vous avez oublié l'équipe, hein. Votre équipe avait marqué le but. C'est pas français. Votre équipe a marqué le but décisif. Que direz-vous de ce match? On va un peu les féliciter, Marseille, parce que. Ils ont besoin de morale. On est tourné vers notre prochain match. Voilà. Du coup, avez-vous douté de la victoire? Mais j'ai douté, je vous mens pas. Mais pour. Moi, j'ai douté, la vérité. Mais pour notre équipe, pour que le moral il augmente, je veux dire, nous étions les plus. Non, on va pas dire nous sommes les plus forts, on va dire, je savais qu'on donnerait tout. Voilà.
Est-ce que c'était difficile de percer la défense adverse FC Nantes? C'était pas facile. Et ça, je le pense d'ailleurs. Encore merci à vous pour votre disponibilité. Alors, au bureau. Je pense que j'aurais pu me faire mieux au dernier match. Merci d'avoir, de m'avoir fait jouer. Travaille plus. Du coup, les gars, notre premier match contre le OGC Nice. À domicile, du coup, je pense. Voir rencontre, c'est à domicile normalement, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Non, c'est à l'extérieur. Encore un match à l'extérieur, bon, c'est comme ça. Hein. Du coup, moi je vous dis à la prochaine, les gars, pour le match contre le OGC Nice.